Putain, c'est génial, là, ça clignote. Donc ça, tu l'as branché où par contre? Ça, c'est lui. Ça passe. Et c'est lui qui a l'horloge. Il faut que je... Lui, il a une horloge, lui. Il faut que je filme tes explications. Ça, ça va. En plus, on a eu une discussion l'autre jour, justement, sur comment... Je vais enlever la poussière pour la vidéo. Alors, il n'y a qu'un truc que je trouve nul avec ces pédales, là, Strymon. Ouais. Ils font des super pédales. Mais le problème, c'est ces boutons là, qui s'appuient là. Ouais. Tu vois, ceux-là, ils marchent super bien. Celui-là, il est un peu bizarre. Et moi, j'en ai eu, au bout d'un moment, il ne s'appuie plus. Ah ouais? Ouais. Et alors, du coup, j'ai ces trucs-là, que je mets dessus. D'accord. Pour les protéger, pour pas que ça... Protéger. Parce qu'en fait, quand tu les mets dans le sac et que ça reste appuyé, bah, après, ils ne remontent plus. Ah ouais, Tu vois, après, il faut les changer. Ils ont fait un truc un peu fragile, quand même. Attends, j'ai pas une petite brosse? C'est assez tout beau. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça va plus vite. Tu m'étonnes. J'en ai acheté une brosse comme ça. Alors, tu en as des mieux encore. Ah ouais? J'en ai une là où je te la montrerai. Ce sont des brosses pour à tapisser. Ah ouais, d'accord. Et elle est encore plus douce que celle-ci. Ah ouais, c'est ça. Parce que celle-ci est un peu raide. Ouais. Là, c'est ça le... Tu vois, Lando Stéréo Chorus, c'est marqué. Eh oui, oui, je regardais. Et attends, elle est où ma pédale là? Il y a la boîte là-haut, ouais, mais je sais pas si t'as la pédale. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah ouais. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et tu vois, pareil, ils ont viré le... Parce que moi, la mienne est plus petite, tiens, elle est là. Ah non, peut-être pas, Marc. Alors non, c'est la même chose. Ah non, c'est pas le même... Bon, je crois que c'est la même chose. Hein. Non, c'est la même taille, ouais. Ouais, pareil. Ouais. Et tu vois, ils ont viré le switch aussi. Ah oui, 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 oui. C'est une galère, ça. Le truc, oui, ça c'est merdique. Ça, je trouve que je la répare. C'est des bonnes pédales, hein. Faut que je la remette en état. Le Chorus de ça, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Vraiment, c'est bizarre. Alors, bah tu vois, il est tellement grand que je suis obligé de me reculer. Et alors, attends, on va peut-être le brancher sur l'ampli. Ah bah ouais. Ah ouais. Pour juste voir cette histoire de masse là qu'on a... Attends, pourtant j'ai mis le volume à zéro. C'est clé là. Ouais. Super ego. Donc là il démarre bien là maintenant. Donc là quand tu fais ça, regarde. Ah ouais oui. Ah ouais ouais. Sauf ouais. T'as un freeze. Ouais. Attends alors, si je peux monter le niveau. C'est vachement bien ça. C'est quoi qui fait ça? C'est cette pédale là. Ouais. Electro Harmonix. C'est marrant. Ah, c'est génial. Et, tu vois, j'ai un autre truc là. Regarde. Enfin... Ah ouais. On fait ça à Wami. Ah, c'est le Wami de la... Ouais. De la H9. Non, j'ai pas de... Je suis mal assis, mais... Ouais, bah, prends la chaise aussi. Ouais. Ça fait wawa là. Ah ouais, tu vois, t'as vraiment aussi. tout. J'ai le trémolo. Je peux changer le tempo. Ah oui. C'est quelle pédale qui fait ça? Ah, toujours la... Elle est vachement bien la H9. Ouais, son d'enfer. Ouais, ouais. Et puis alors j'ai par exemple Leslie. Il est beau aussi. Ça c'est le Strymon. C'est le Timeline? C'est le Möbius. Möbius. Je change le... ça. Et ce qui est génial avec ce pédalier là, c'est que tu vois, j'assigne ça à ce que je veux en fait. Bah ouais, d'accord. Selon mes programmes. Tu vois, par exemple là, lui ça faisait le tempo, mais là ça faisait le truc, mais en fait, pour l'autre ça faisait celle-là, le même bouton. Ouais, tu vois. Là, si je me mets sur, si je me mets sur Super Ego, avec le Mastermind. Tu vois, je fais ça. Pourtant c'est le même bouton, mais je lui dis que pour ce programme là je veux que ça soit celle là. D'accord. Et c'est pareil pour la pédale d'expression, je peux l'assigner à ça, mais si je veux je l'assigne à autre chose. Tu vois. C'est toi qui fais le violini avec le doigt? Non. Ah non, c'est le programme que je me suis fait. C'est un truc de feignant ça. Toujours la H9. Mais c'est juste le délai. Ouais. En fait, c'est lui qui fait le swell. Möbius. Ouais. On ne sent pas que ça passe par... Exactement. Bah, parce qu'en fait, lui, il bypasse tout le monde. Ah oui. Et en plus, il y a des buffers dedans. Donc en fait, quand je bypasse une pédale, lui, il passe direct. D'accord. Et en fait, il y a des buffers en plus. Et tu peux les switcher ou les enlever selon les pédales. Parce que pour les fuzz, il paraît que c'est pas bien. Non. Oui, bah, ça dépend des pédales. Voilà. Là, il casse le côté de l'écho, je me suis pas mis en mono. Alors sinon il en a deux. Tu vois le tempo là, il s'affiche. Là-dedans, donc lui il prend le tap de l'horloge. D'accord. Ah ouais, c'est comme ça pédale. Ça c'est le délai. C'est juste ça. Et puis le délai. Mes timelines, c'est celui-là. Et quand il est violet comme ça, c'est qu'il est en... J'ai toujours le son direct qui passe et lui il est mixé en plus. Ah d'accord. Parce que je passe pas à travers. En parallèle. Oui, c'est en parallèle. Parce que lui tu peux le brancher en parallèle aussi. Bah, c'est vachement bien. C'est mieux parce que tu gardes un son. Exactement. Plus propre, exactement. Tu l'entends mieux. Ouais, non, ça c'est une super pédale. Ça vaut. C'est pas donné, hein, mais c'est. Ouais, j'imagine. Mais c'est super. Et le mec, tu lui envoies un email, il est sur le coup tout de suite. Ah ouais. D'ailleurs, bah ça c'est le switcher ultime, hein, quasiment. Ouais, exactement. Hein, ouais, vraiment. Vraiment c'est super. Alors, ils en font un peu plus petit, ça s'appelle le PVC. Ça c'est le 10, ouais. Il a 10 loops. Et il y en a un qui est plus petit qui s'appelle le 6. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus gros, qui est à peu près le même genre que ça, mais lui il a un gros écran. Ah ouais, donc tu vois vraiment tout ce qui se passe. Chaque switch a son écran aussi. Tu vois, mais c'est trop gros, le pédalier prend pas de place. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est à peu près. Déjà celui-là il est gros, je trouve. Ouais, ça fait la place, hein. Donc tu as deux pédales d'expression. Ça c'est volume. C'est volume. C'est pas expression. Ça tu fais ce que tu veux. Voilà, ça je l'assigne à ce que je veux. Ouais, d'accord. Tu vois, je peux en faire une Wawa, je peux en faire un Wami. Elles sont bien les missions. Hein. Ouais, bah celle-là elle est faite spécialement pour ce pédalier en fait. Ouais. Toi, donc tu m'expliquais tout à l'heure, t'as le tempo, t'as une horloge dedans et lui on voit l'horloge sur toutes les. Voilà, d'accord. En midi. D'accord. Okay. Donc là tout à l'heure on comparait, alors ça c'est la stéréo chorus Michael Lando, ouais. Et moi j'ai la vieille à réparer, celle de base. Ouais, c'est bizarre qu'elle n'ait pas la même couleur, c'est peut-être une autre génération aussi. Oui, c'est peut-être aussi une autre génération. En même temps, eux, ils ont changé la plaque là, ici, tu vois. Mais oui, la boîte, elle est noire, celle-là, alors je sais pas. Oh, bah, c'est peut-être Michael Lando. Ou alors la tienne, elle est plus. Elle est vieille, hein. Parce que ça, Michael Lando, c'est pas Arion qui le fait. C'est un mec qui modifie. Voilà, oui, ah, oui d'accord. Ouais. Ah oui, ok. C'est une boîte qui s'appelle Vertex. Elle doit être plus récente, celle-ci, parce que moi, je l'avais, j'avais 18 ans. Ah bah voilà, donc ça, c'est l'original. Donc c'est génial parce que non seulement tu peux commuter tout dans tous les sens, tu peux envoyer des horloges aux pédales qui sont midi, voilà. Mais en plus tu peux assigner des buffers ou pas suivant les pédales que tu utilises. Voilà, exactement. Putain, tu vois, il y a marqué buffer. Il y en a 4 je crois dedans. Et en plus tu peux brancher les pédales stéréo, tu peux les mettre en parallèle ou en série, comme tu veux. Ah ouais. Ah ça, et tu peux le faire par soft. Non, je veux dire par preset. Par preset, ouais. Si un preset, je veux que par exemple le delay soit en parallèle à côté, c'est bon. Et si par exemple j'ai un trémolo, je veux pas que ce soit à côté, puisque je veux que le son soit coupé. Oui. Et bien là, je le mets en série. D'accord. Au lieu d'être en parallèle, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Quoi d'autre ben voilà, quoi, en gros. Ouais. C'est un beau pédalier bien fonctionnel. Ouais. Non, on va essayer de le lever pour que je filme l'arrière parce que ça va en faire baver plus. Voilà comment on câble dans les règles de l'art un pédalier. Donc il y a le Decibel Eleven qui est en fait une extension du looper devant PVC, parce qu'il n'y avait pas assez de sortie ni d'entrée. Et là on a deux belles alimes. Ce sont des True Tone 12. True Tone 12. Ouais. Alors elles sont costauds ces animaux, vache. Non, je fais pas ça parce que ça va. Et là, il y a ça, c'est un mixeur qui permet de mixer les sons stéréo et de les mixer en mono. Voilà, si tu joues en stéréo ou si tu joues sur un ampli mono. Et puis là, je passe en mono. D'accord. Et tout, alors avec des sorties sur les côtés. Donc en fait, avec ce looper qui est rajouté, il y a une sortie alimentation 9 volts plus des sorties entrées, voilà, et on peut mettre des pédales externes en loop qui sont commandées par tout le système. Voilà. C'est le pédalier ultime, il n'y a pas à chier. Ouais, d'ailleurs c'est marrant parce que... C'est un pédalier. 4. Oui, non, c'est ça. Ok, bah en fait il ne s'est pas servi de ça. Oui, en fait, les entrées qui sont là, c'est des entrées qui sont branchées sur l'autre. Oui, sur l'autre. Du moment que tu n'en as pas besoin, Marc, tu en as deux. En fait, j'en ai deux qui sont libres là. En fait, un send return, donc tu as une boucle. 3, et je dois avoir une boucle ici aussi encore. Ah, d'accord. Je pense ici, là. Ouais, ici, il y en a deux encore. D'accord. Donc, si je voulais, je pourrais ajouter deux autres pédales. Après, je suis pas sûr d'avoir assez de... Si, tu vois, j'ai encore du 9 volts là encore. Donc en fait, l'intervention qu'on a fait là, c'est sur le Decibel Eleven, il y avait une modif à faire parce que sinon son true bypass de midi, enfin son bypass pardon, non le trou, le midi trou, voilà, je cherchais le désactivé au démarrage quand il reçoit, au démarrage et désactivé, ça foutait la merde. Ouais, quand il reçoit un truc midi, donc et ça empêchait l'autre système de démarrer correctement. Voilà. En fait, quand j'appuyais, je revoyais le midi, il y avait certaines pédales qui passaient en trou d'ici. Donc on a fait une petite modif. Tiens, il faudra que tu m'envoies la photo, comme ça je la mettrai. Voilà, donc on a fait une petite modif. Super. Tourne toujours l'autre là-bas, ouais. C'est bon. Génial. Voilà. Génial. Ouais, c'est vraiment... C'est le pied. Donc moi à la base j'avais fait, tiens ben, je vais montrer, j'avais fait le petit tempo. Ah oui. Donc j'avais fait le petit temporisateur. Qui aurait marché aussi d'ailleurs. Oui, qui aurait fonctionné aussi, c'est-à-dire que pour faire démarrer le mastermind, après, pour pas qu'il soit bloqué par, le problème de midi-through, c'est-à-dire que lui, il leur a envoyé le truc, l'autre était éteint, et puis ça serait allumé après. Ouais. Voilà. Et puis finalement, comme on a eu la modif par le constructeur du décibel. Mais ouais. Qu'est-ce que je fais? Ah bah, il faut que j'appuie là-dessus. Mais ça enregistre toujours. Donc ça aurait été ça, j'avais mis 9 secondes de tempo pour alimenter donc, le Eleven 9 secondes après le reste. Par contre, il est inversé, c'est ça que tu m'as dit? Alors, par contre, le plus c'est moins sont inversés. Il faut que je te le remette dans l'ordre. Bah, je vais te le refaire. D'accord. Bah, je sais pas si tu as le temps, je le fais maintenant. J'ai le temps, hein, ouais. Bon, bah. Et puis finalement, on ne l'a pas utilisé vu que le constructeur de l'Eleven a donné une astuce pour une modification à l'intérieur pour éliminer le problème. Voilà. Bon, bah super. Un petit pédalier qui va en faire baver plus l'un. Voilà.